Moi, Messi, c'est un projet en partenariat avec Satis. Satis, c'est une entreprise qui réalise des produits composites, notamment pour l'industrie du ferroviaire. Et donc, nous, dans le cadre de notre projet, on va venir implanter en chaîne de production un procédé qui vérifiera la qualité des planchers qui sortent de l'usine. Ce qui nous a plu dans cette collaboration avec l'ICAM, c'est dans les trois compartiments de l'étude, c'est-à-dire dans l'analyse matériaux, dans les méthodes d'industrialisation et dans le traitement des données, l'équipe d'élèves ingénieurs de l'ICAM, encadrée par des professeurs spécialisés, nous a bien accompagnés sur ces trois thématiques que nous ne maîtrisions absolument pas en interne chez Satis. Le MSI est pour nous une occasion de nous professionnaliser, car nous évoluons dans un contexte totalement identique à celui d'une entreprise, c'est-à-dire que nous sommes au contact de l'entreprise qui nous emploie, mais aussi de ses fournisseurs, et que nous agissons en tant qu'ingénieur projet et non pas en tant qu'étudiant. Ingénieur de formation, je suis chef de projet au pôle service entreprise. Vis-à-vis des étudiants, mon rôle consiste à leur apporter la méthodologie concernant la gestion de projet. Et vis-à-vis des industriels, je suis le garant du bon fonctionnement du projet. Dans le cadre des MSI, j'interviens pour tout ce qui est caractérisation physico-chimique et mécanique. Et dans le cadre de Satis en particulier, en fait, on a pu déterminer les caractéristiques élastiques de leur plancher grâce à des essais de flexion 4 points.